Et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline. Je suis professeure et designer de tricot pour la marque Mademoiselle Petroni. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode de mon vlog dédié au tricot. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne, qui la découvrent. Et je remercie aussi tout particulièrement les personnes qui sont fidèles, qui reviennent et qui se sont abonnées à ma chaîne. À ce propos, nous sommes maintenant plus de 1000 abonnés à cette chaîne et pour vous remercier, je prévois un petit concours. Donc je vous propose de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que voilà, je vous explique en quoi va consister ce petit concours pour fêter les premiers milliers d'abonnés. J'ai beaucoup hésité à tourner ce vlog ce mois-ci pour plusieurs raisons, et notamment la première raison, c'est parce que je suis en train de créer, en train de faire une création qui doit, dont le secret doit être gardé jusqu'à la sortie du modèle qui sera pour le début de l'été. Donc voilà, je ne peux pas vous présenter le contenu lié à cette création. Et l'autre raison, c'est parce que je travaille sur un projet un peu plus au long cours, enfin un peu plus long que d'habitude. Il s'agit de mon kimono que vous avez déjà pu voir présenté dans des épisodes précédents. Et notamment dans les séquences qui précèdent ce face caméra, vous avez vu que je travaille tous les jours sur le design de ce kimono. Et le problème, c'est que j'avais peur, je craignais un peu que le contenu de cet épisode soit redondant, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce qui arrive dans toute activité professionnelle finalement, c'est une certaine routine de travail avec des journées qui se suivent et qui se ressemblent. Or, comme le propos de mon vlog est de vouloir vous partager et de vous montrer la réalité de mon quotidien de travail, je me suis dit qu'après tout, c'était aussi ça. La réalité de mon travail, c'était de parfois avoir des journées qui sont très similaires, qui sont construites un peu de la même manière, et surtout quand on travaille sur un projet qui s'inscrit un peu plus sur la durée que d'habitude. Peu importe, je vais en profiter finalement pour vous parler un petit peu plus de mon modèle de kimono, et je voudrais m'attarder sur deux choses. Sur le motif de dentelle que j'ai choisi, et le fil, le tissu, car pour moi, le fil que j'ai choisi pour tricoter ce modèle est très important et vous allez voir que l'on peut s'amuser à décliner plusieurs versions de ce modèle en fonction du fil qu'on aura choisi pour le tricoter. Je vais jeter un petit coup d'œil à mes notes pour essayer de ne rien oublier de tout ce que je voulais vous dire. Donc, tout d'abord, le motif de dentelle. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit déjà dans les épisodes précédents, cette année, je me suis donné une thématique qui va servir de fil conducteur tout au long de mes créations de 2020, c'est la Bohème. La Bohème en tant que région d'où est originaire ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire la région de Tchéquie autour de la ville de Prague, autour de la capitale. Et pour la dentelle de ce kimono, j'ai souhaité reprendre des motifs que l'on trouve gravés sur les objets de décoration en cristal, qu'on a tendance à appeler de manière générique les cristaux de Bohème. Et dans ces motifs-là, on va avoir des choses très intéressantes que j'avais envie d'exploiter sur des motifs de tricot. J'ai retrouvé dans mes placards un petit objet déco qui justement est fait en cristal et qui reprend donc les gravures des cristaux de Bohème. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc comme vous pouvez voir, c'est quelque chose quand même qui est très chargé. De toute façon, comme de manière générale, tout ce qui constitue un petit peu la culture traditionnelle de Bohème. Voilà, je sais pas, je vais peut-être vous le rapprocher un peu, j'espère que la mise au point se fera. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir que ce sont des motifs qui sont à la fois géométriques, donc qui sont formés de triangles, de rosaces, ils sont très symétriques, il y a beaucoup de motifs en étoiles, mais en même temps, ils donnent un aspect très printanier, très fleuri aux frises qui courent tout au long de ces motifs.
Ça reprend un petit peu les costumes. Je vous avais montré, je vous avais fait des inserts la dernière fois, des costumes qui sont très chargés aussi de broderies. On voit beaucoup, beaucoup de fleurs qui courent le long des costumes traditionnels de Bohème. Et là, c'est pareil. C'est notamment là sur la anse du petit panier en cristal. Il y a vraiment des motifs en étoiles, mais qui en même temps inspirent un petit peu des petits motifs fleuris. Donc, avec tout ça, j'ai fait des recherches dans mes dictionnaires de points de tricot. Bien sûr, je me suis inspirée d'un point de dentelle que j'avais vu dans un dictionnaire de tricot. Et j'ai essayé de dessiner quelque chose, une dentelle qui va à la fois être géométrique tout en ayant une petite allusion à une frise de fleurs. Voilà, quelque chose de très printanier. Je voulais vous le remontrer. J'avais donc échantillonné ce motif. Donc, comme vous pouvez voir, on a à la fois une symétrie dans les motifs, hein, notamment qui fait par une ligne de diminution double centrale, et des points ajourés qui vont se construire en losange, en carré, en rectangle. Donc, vraiment, on retrouve la construction géométrique dans le motif. Mais en même temps, comme ça va être positionné en frise sur mon modèle de kimono, on va vraiment avoir cette idée de ruban, de fleurs qui va venir courir le long à la fois du bas du kimono et des manches du kimono. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, parce que la lumière est assez moyenne. Et en plus, c'est pas très. Je viens de la terminer. Là, le prototype est encore en cours de tricot, je ne l'ai pas terminé. Je viens de terminer la bordure finale en bas du tricot. Je l'ai également reproduite sur le bout des manches. Voilà, alors bien sûr, je n'ai pas encore bloqué mon travail. Donc là, ça vous montre vraiment combien c'est important le blocage. Donc le blocage, c'est au moment où on va laver pour la première fois son tricot, qu'on va le mettre bien à plat et on va lisser la maille. Bien étalée, elle va vraiment prendre tout son espace, la laine va gonfler, elle va vraiment, la maille va s'étendre, va prendre la place qu'elle doit prendre, elle va se régulariser un peu et le motif de dentelle va être beaucoup plus visible. On le voit d'ailleurs ici, là l'échantillon est bloqué, donc la régularité est là. La dentelle, au moment de la tricoter, est toute fripée comme ici. Voilà, ou comme sur la manche, mais vraiment le blocage après fait des miracles. Donc j'ai très hâte de terminer ce prototype pour voir le rendu final de la dentelle sur tout le long sur tout le bas du kimono et sur le bord des manches. Voilà pour ce qui concerne le motif de dentelle qui est donc inspiré des cristaux de Bohême. Et donc l'autre élément important dont je voulais vous parler pour ce modèle-là, c'est le choix de la laine. En fait, le choix du fil à tricoter, puisqu'il ne s'agit pas d'un fil 100% laine. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, il s'agit d'un fil donc de By Simone qui mélange 50% de mérino et 50% de tencel, qui est donc une fibre végétale issue, je crois, des eucalyptus. Je ne me dis pas de bêtises, le lyocell tencel, donc c'est une dénomination normée, qui est une fibre végétale qui est extraite des arbres eucalyptus. Ce mélange-là a pour moi les qualités que j'attendais et que j'avais vraiment envie de retrouver sur mon modèle, puisque quand j'ai dessiné le croquis, j'ai dessiné la forme du kimono, je me suis inspirée des tenues qu'on pouvait trouver chez les stars hollywoodiennes des années 40, comme Lorraine Bacall, comme Marlène Dietrich, qui portaient donc ces jolis déshabillés en satin ou en soie. Et je voulais voilà, retrouver cette ambiance-là, parce que moi je m'inspire beaucoup beaucoup de cette période-là et de la mode des années années 10, des années 1910 aux années 1950. Donc je m'étais vraiment replongée dans cet univers-là. J'ai commencé à dessiner mon kimono. Je voulais également vraiment quelque chose qui reste un kimono japonisant. Vraiment, j'ai repris les codes du kimono traditionnel. Bien sûr, je n'ai pas respecté du tout la construction d'un kimono traditionnel, parce que je ne me prétends pas vouloir le faire. Ce n'est pas ma culture, donc je ne préfère pas le faire. Par contre, je m'en suis inspirée et on retrouve en effet les manches en T, l'ampleur, c'est-à-dire que c'est un kimono qui a une forme totalement droite, qui a énormément d'ampleur sur les côtés. Les manches sont droites également. Elles ne sont pas totalement longues, elles vont s'arrêter au niveau 3 quarts.
Et le décolleté V est très profond. Ouais, il va descendre très très bas. Ça, c'est on va dire, la forme, la morphologie que je voulais du vêtement. Et en même temps, je voulais avoir un tissu qui reprenne aussi cet aspect très fluide, avec un joli tombé, très soyeux, très chic, qu'on peut retrouver à la fois chez ces tenues des actrices hollywoodiennes des années 40, mais également dans les beaux kimonos en soie japonais. Et il se trouve que le fil de By Simone, donc le MT, Merino Tencel, correspond vraiment au rendu que je voulais. C'est-à-dire que je vais à la fois avoir énormément de fluidité. Voilà, comme mon tissu bouge, il est très drapé, très tombant, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Il donne un petit peu l'impression qu'il y a de la soie au niveau de la brillance. C'est un fil qui, alors c'est pas évident, hein, parce que c'est en fonction de la lumière du jour, on a un très joli brillant qui apparaît sur ce fil-là. Et l'autre qualité qui est pour moi très importante, c'est le fait qu'il soit composé de 50% fibres végétales, fait que c'est un tissu qui est beaucoup moins lourd que s'il était 100% mérino. Et c'est important car quand on travaille sur de la longueur et sur beaucoup de métrage, notons que c'est un modèle qui va être présenté sans couture, il fallait quand même que j'aie un vêtement qui ne soit pas trop lourd pour pas que ça déforme la maille. Et là, je pense honnêtement que la solidité d'un fil végétal va renforcer la maille en mérino et qu'elle va éviter de se déformer. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment, si vous avez à le tricoter, d'aller vous diriger plutôt vers un fil mélangé, à la fois fibre animale, fibre végétale. Aussi pour une autre raison, c'est parce que je voulais que ce soit un vêtement intersaison, plutôt pour le printemps ou pour la fin de l'été, donc qu'on puisse porter en vêtements d'extérieur, qu'on met simplement sur une tenue dès que les jours commencent à être un peu plus doux, ou comme un vêtement d'intérieur qu'on a envie de porter comme une jolie robe de chambre un peu chic, ou déshabillé qu'on porte sur sa lingerie de nuit. Donc ça voulait dire un tissu qui soit pas trop épais, qui ait un joli tombé, qui soit pas trop chaud, et qui en même temps ait un rendu un peu chic et soyeux. Voilà, ça demandait quand même pas mal de contraintes, mais il existe. Voilà, c'est possible grâce au fil de By Simone, j'ai pu avoir ce rendu. Alors bien entendu, je comprends que tout le monde ne puisse pas se tricoter ce modèle dans un fil de teinturier indépendant. C'est pourquoi j'aime bien proposer aussi des alternatives. Et là, j'ai trouvé apparemment deux fils qui pourraient convenir justement sur ce type d'ouvrage. Alors, je ne le connais pas ce fil-là, je ne l'ai pas encore tricoté, je l'ai juste repéré. Je pense qu'il peut être pas mal parce qu'il a la même composition que le fil de Simone, c'est-à-dire 50% mérino et 50% Lyocell Tencel. C'est le fil Katia Concept Lyocell Mérino. Voilà, donc je pense que ça peut être. L'échantillon est bon, il correspond à l'échantillon que je propose moi du modèle, qui est un échantillon de type épaisseur sport, c'est-à-dire 24 mailles pour 10 cm. Donc ça pourrait pour moi être une bonne alternative. Et l'autre fil que je propose et que je conseille, c'est le fil BioBalance, qui là va mélanger 50% de mérino, enfin de laine, et 50% de coton. Alors oui, par contre, on va perdre un petit peu du côté soyeux dans ce mélange-là. On va avoir un rendu plus mat. Par contre, je sais par expérience, pour l'avoir déjà tricoté, pour avoir vu aussi certains de mes designs tricotés dans cette matière-là, le drapé, le tombé va être très bien pour ce modèle-là et surtout la dentelle va être bien définie. Donc il a quand même cet avantage-là et il est génial parce qu'il est extrêmement léger, à la fois léger à porter et léger au niveau du poids global du vêtement. C'est l'avantage de ce fil-là, c'est un fil qui est léger. Pourquoi? Pas parce qu'il y a du coton dedans, parce que le coton a tendance à être au contraire un petit peu à alourdir un petit peu la matière, mais plutôt parce que c'est un fil qui est light fingering, mais qui au moment du blocage va avoir une maille qui va énormément gonfler et se remplir d'air. Et donc il va prendre toute sa place. Et on va pouvoir avoir le bon échantillon avec un fil plus fin que ce qui est normalement recommandé. Donc ce qui va permettre d'avoir un joli tissu qui va prendre sa place au moment du blocage tout en restant très léger. Donc voilà pour les conseils que je vous donne concernant les alternatives au fil MT de By Simone.
Vous pouvez toutefois aussi, si vous le souhaitez, tricoter ce modèle en 100% laine, en 100% mérino. Je vais plutôt vous orienter. Peut-être vous trouverez, c'est pas que je vais vous orienter, vous trouverez peut-être plus facilement cette épaisseur de fil, donc qui est une épaisseur plutôt sport, dans les marques commerciales. Il y a quelques teinturières indépendantes qui font des 100%, enfin qui font des fils 100% mérino, je crois, épaisseur sport ou mérino soie. Enfin voilà, il y a, je crois, des possibilités à trouver chez les teinturières, mais c'est quand même une épaisseur qui est moins exploitée chez les teinturiers indépendants. Vous avez donc chez les marques commerciales, j'ai noté notamment trois fils qui pourraient être intéressants donc de tricoter en 100% laine. Trois exemples, la Merino 150 de Langern qui vraiment a le bon échantillon pour ce modèle-là, la Nimbus de Fonty qui a un très joli rendu et la toute simple fil Merino 3,5 de fil d'art. Voilà, la seule chose dont je vous mets en garde pour ces fils-là, qui sont 100% laine, c'est que vous allez obtenir un vêtement qui va être donc plus lourd, un tissu plus élastique, donc il faudra faire très attention que le vêtement ne se détende pas au moment du blocage. Voilà, il risque même de prendre un peu d'ampleur sur la longueur à cause du poids du vêtement. Voilà pour ce qui concerne les fils 100% laine. Et il se trouve aussi que j'ai réfléchi à comment pouvait être décliné ce modèle-là si on le tricotait dans une fibre plus légère, une fibre estivale, et si on allait se diriger pour tricoter ce modèle dans un fil végétal. Et ça m'a tout de suite fait penser aux vêtements qu'on peut porter en bord de plage ou au bord de piscine par-dessus son bikini ou par-dessus son maillot de bain, qui est le peignoir de plage, qui peut être vraiment bien pratique et confortable. Et notamment, j'ai eu l'idée de proposer de tricoter ce modèle en lin Alfama de Rosario 4. Il se trouve que c'est un fil que j'ai moi-même tricoté pour me faire un vitamine D. Et j'adore le rendu. On obtient un très joli drapé avec le lin Alfama de Rosario 4. Il est léger, doux, agréable, hein. M'offre un petit peu de transparence. Et je trouve ça vraiment. Enfin, j'adore mon gilet vitamine D. Ça me donne même envie de tricoter d'autres gilets pour l'été dans cette qualité de fil. Et j'ai demandé à une de mes tricoteuses de cœur, à Fabienne, coucou Fabienne si tu passes par ici, de me tricoter un sample dans cette qualité de fil. Donc elle est en train de réaliser le modèle du kimono dans cette fibre 100% végétale, 100% lin. C'est un fil de lin très doux, un peu rustique. Mais qui donne un rendu, une fluidité, un très très joli drapé. Donc j'ai hâte de voir un petit peu le rendu final de ce sample. Je suis totalement enthousiaste à l'idée de voir apparaître ce modèle qui aura donc finalement une nouvelle vie, puisque comme ça sera plutôt un vêtement estival à porter en vacances, au bord de l'eau, pourquoi pas même sur un joli débardeur avec un petit short. Ben voilà, on va avoir quelque chose qui, je pense, un modèle qui va être un petit peu plus bohème, avec un rendu de fil qui sera plus mat, moins soyeux, plus transparent aussi, mais tellement agréable à porter que j'ai vraiment hâte de voir ce que cela peut donner. J'ai noté d'autres qualités de fil d'été dans lesquelles vous pourriez tricoter donc ce modèle de kimono, qui finalement là sera plus un modèle de peignoir de plage, même si ça reste exactement le même patron. C'est juste, on peut voir donc finalement qu'en fonction du fil qu'on choisit, on peut décliner un même patron et obtenir des objets différents dans sa garde-robe. C'est ça qui est très intéressant. Donc là, j'ai noté trois autres qualités de fil qui pourraient être intéressantes de tricoter pour ce modèle-là. La canapa, qui même si elle est un fil qui est plus fin que l'échantillon qu'on pense obtenir, pour avoir tricoté mon jean en canapa qui lui a un échantillon de 20 mailles, je sais que sur un échantillon de 24 mailles, on n'aura aucun problème à avoir un très joli rendu. Et là, l'avantage du canapa, donc qui est une qualité en chanvre de chez Lang, ça donne un effet très brillant, très soyeux. Donc là, en plus, on va pouvoir obtenir quelque chose de très chic, de très très beau grâce au rendu soyeux du tissu. Vous pouvez aussi tricoter dans le lin Antigone de chez Dererum Natura. Je pense que ça peut être aussi un très joli rendu. Et j'ai pensé aussi à une autre qualité que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle apporte énormément de fraîcheur sur la peau. C'est la bourrette de soie. Et Bességain propose une très jolie bourrette de soie qui est la Soft Silk.
qui a une très belle qualité, qui à mon avis est très prometteuse pour tricoter ce modèle, pour justement à la fois obtenir un joli drapé, quelque chose d'un peu rustique parce que c'est une bourrette de soie très rustique, donc on voit apparaître du relief sur la maille avec les petites nappes que ça fait dans le tissu. Mais les couleurs, en plus, pour les avoir vues chez Lana et Tricot, les couleurs de cette collection sont absolument magnifiques, donc ça donne quand même un beau potentiel pour tricoter ce modèle. Voilà ce que je voulais dire concernant le kimono. J'ai finalement été assez bavarde. J'espère que toutes ces idées de fil vous donnera envie de tricoter le modèle. Si tout se passe bien, le patron sortira début avril sur Ravelry et je présenterai en exclusivité le modèle fini, terminé et au festival Knit It sur le stand by Simone. Voilà, donc si vous avez la possibilité de venir au festival Knit It qui se déroule à Lyon le 4 et 5 avril, si je ne me trompe pas, voilà, vous pourrez découvrir le kimono, même l'essayer si vous le souhaitez, et toucher la laine, voir le rendu que ça peut donner en vrai. Avant de nous quitter, je vous parle bien sûr du petit concours que je vais organiser pour fêter les 1000 abonnés à cette chaîne et vous remercier surtout de tout la gentillesse dont vous faites preuve quand vous me laissez des commentaires sous cette vidéo à chaque épisode. Vraiment, j'en vous en remercie beaucoup. Ça me motive à poursuivre, ça me donne du courage à persévérer dans mon travail de designer. Donc, mille, mille merci. Et je vous propose donc de répondre à une question que je vais vous donner tout à l'heure en commentaire de cet épisode. Vous avez laissé les commentaires et je ferai un tirage au sort grâce à un petit logiciel, un logiciel de random. Je générerai donc un tirage au sort sur vos commentaires laissés en bas de cette vidéo. Et la question est la suivante. Si vous deviez avoir à tricoter trois pulls basiques à mettre dans votre garde-robe, lesquels vous aimeriez, lesquels vraiment vous auriez envie d'avoir dans votre garde-robe. Alors c'est simple, il ne suffit pas de me donner des modèles qui sont déjà existants, mais plutôt de me donner les caractéristiques de ces trois pulls. Est-ce que vous voudriez que ce soit un pull avec une encolure ronde, une encolure V, une encolure montante? Est-ce que vous aimeriez avoir un pull en construction plutôt manche raglan, ou au contraire manche tombante, manche montée? Un empiècement circulaire? Est-ce que vous voudriez qu'il soit long, qu'il soit court? Est-ce que vous préféreriez qu'il ait une épaisseur fingering, une épaisseur décave, une épaisseur worsted? À vous de me décrire vos trois pulls rêvés que vous aimeriez tricoter, basiques, pour mettre dans votre garde-robe. Et moi, ça me permettra aussi d'avoir un ressenti de vos envies, vos souhaits tricotés et de m'en inspirer pour vous proposer à l'avenir des modèles qui pourront convenir à ce que vous attendez. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser la réponse dans les commentaires. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura un lot avec de la laine, un modèle, un petit goodies. Voilà, je ferai gagner un petit lot comme ça pour vous remercier de votre fidélité à suivre ma chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la formule vlog vous plaît toujours avec ces séquences qui précèdent donc mon intervention. Je précise également que je laisse les notes de cet épisode en bas, en barre d'infos. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations donc, que j'évoque et que je vous montre dans cette vidéo. Et notamment parce que certaines personnes m'ont demandé, je note les noms des modèles que je porte pendant l'épisode, que ce soit au niveau des séquences ou que ce soit face caméra. Je note le nom et je mets en général le lien vers le patron s'il existe sur Ravelry. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout cette fois. Je vous souhaite une très belle fin de mois de février. Je vous donne rendez-vous fin mars et je vous embrasse. À très vite!